bien, bonsoir et bienvenue à l'entraque sportif, deuxième édition de cette saison de l'entraque sportif. Nouveauté cette année, ben on est à la télé. Je pense que c'était de mise, étant donné qu'on avait connu le bon succès l'an passé sur le web. Bien là, cette saison, on est télé. Et je tiens à féliciter et à remercier M. Steve Bertillon pour les efforts qu'il a mis. On regarde le décor, c'est incroyable. On est sous le choc. On ne s'attendrait pas à avoir un tel décor, mais chapeau. Et merci à Steve pour ces beaux décors et la chance qu'on a, le privilège qu'on a justement, dans notre cas d'entraînement sportif, de parler de sport. Et on va parler, comme l'an passé, là, les gens qui étaient habitués, on va parler bien sûr de tous les sports. Je pense que cette année, on va en ajouter d'autres. Parce qu'il y a plusieurs catégories de sport. L'an passé, c'était l'an 1. Bon, on s'est concentré sur qu'est-ce qu'on connaissait le plus. Mais là, cette saison, on va ouvrir un peu plus la machine. On va parler plus de sport à venir là, au cours de la saison. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'entraque sportif. De ce fait même, bien, je souhaite la bienvenue à Kevin Lusignan. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Yannick. Ça va bien? Ça va très bien. En feu? Oui, nerveux? On avait out. Oui, sûrement. Out. Sûrement. Je reviens à toi, Kevin. Francis Marquette. Salut, Francis. Salut, Yannick. En forme? Certainement. Gros été? Oui. T'avais hâte? Joué à balle pas mal. Ouais. C'est bon. Joué à balle avec Jeff aussi? Ouais. Salut, Jeff. Joueur offensif de l'année. Oh, en plus. C'est bon. En forme aussi, Jeff? Ouais. Toi aussi, gros été? Oui. Très bien. Parfait. En feu? Comme tout le monde. Comme tout. C'est bon. Kevin Arsenault, un nouveau membre qui vient de se greffer à l'entraque sportive. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans l'équipe, Kevin. Ben moi aussi, puis je voudrais te rendre l'appareil par rapport à Steve. Là, comme j'ai dit en rentrant ici, là, j'étais très impressionné. Là, honnêtement, là, c'est impressionnant. Gros setup. Ben on en parle. Hein, lorsqu'on parle avec les gens, on s'imagine pas qu'on pourrait avoir ce genre de décor ou de studio dans si peu. Comme j'ai mentionné un peu, c'est un grand petit studio. Puis là, avec des membres comme ça de l'élite, on va avoir du plaisir cette saison, ça c'est sûr et certain. Bien sûr, il va y avoir les gars de football, là, je pense, ils sont pas là ce soir, à ne pas manquer. Sûrement qu'ils auraient aimé ça être sur le show ce soir, mais tout au cours de l'année, là, football, soccer, bowling, on va parler de plus de sports possibles. Si on est capable de parler de la chasse, on ouvre très grand le répertoire. Puis je sais que Kevin Arsenault n'est pas. C'est comme ma carte cachée, si on veut. Kevin, on le sait, il est au courant de tout. Donc, si on veut savoir quelque chose, ben on passe par Kevin. Puis je te remercie encore une fois. Plaisir. Grand plaisir. Je sais que tu es sollicité abondamment, mais c'est un privilège pour nous de te recevoir. Ben, merci pareillement pour moi. Messieurs, on part ça? Ben oui, ça va. Ben, on part ça avec quoi? L'année passée, on partait ça avec la Ligue nord-américaine, compagnie de Kevin. Nord-américaine, ben bien sûr, on va parler des éperviers. Bon début de saison au niveau des éperviers. Deuxième au classement. Donc, en égalité. Égalité, mais surpris du début de saison des éperviers? Ben, je crois qu'on a continué à travailler comment on a terminé la saison. T'sais, oui, on a bien fait en série, on s'est rendu en finale, passé à un pouce et demi de marquer le but vainqueur pour remporter cette coupe-là. Ouais. Mais je crois qu'on a continué à travailler dans l'optique de viser les mêmes choses comme à chaque saison. T'sais, les éperviers, c'est trois finales en quatre ans. On va espérer que ce soit pas quatre en cinq, mais d'après moi, on a des bonnes chances. Christian Deschênes a travaillé dans l'optique de monter une équipe pour se rendre encore jusqu'aux grands honneurs. Et on voit que jusqu'à présent, deux défaites en 10 matchs, ça porte fruit. Ça porte fruit et sûrement que l'entraîneur Serge Forcier est heureux du départ. Quelques changements aussi apportés à l'alignement. On pensait que certains départs, hein, suite à la défaite de l'an passé, que quelques joueurs quitteraient l'organisation. Bon, on se dit c'est la dernière saison, ils vieillissent. Je suis allé à quelques parties. Marco Charpentier, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Tu l'as dit, c'est 10 matchs de jouer, c'est 13 buts, 13 mentions d'aide en 10 matchs. On dirait que ben, le faire jouer avec des jeunes comme David Rose puis Vincent Couture, comme rajeuni de 10 ans, tout feu, tout flamme, on le voit. Là, il y a un match, je crois, qui n'a pas un point cette saison. Donc, on peut dire que c'est un travail accompli pour lui et pour son trio, parce qu'on ne peut pas rien enlever aux deux jeunes qui jouent avec lui. Là. Mais ce qui fait la force des éperviers, c'est outre que son premier trio marche très bien, mais le deuxième trio, avec Stéphane Roy,
qui a Pierre-Luc Slager comme ailier, mais qu'on alterne un Étienne Brodeur, un Anthony Courcelle. On voit que il y a un bon noyau de jeunes. Ouais, François Ouimet, qui est une surprise, ouais. On se le cachera pas. François, qui est arrivé du repêchage de dissolution de Cornwall, déjà plus 3 buts en désavantage numérique, rapide, un coup de patin sensationnel. Un joueur dans les deux sens de la patinoire, donc c'est là qu'on voit que. On peut dire que les Éperviers ont sorti de premièrement grand vainqueur de ce repêchage à dissolution-là, parce qu'ils ont avec l'ajout de François Ouimet, Anthony Courchel, qui a manqué quelques matchs, mais qui joue quand même assez régulièrement au sein de l'organisation. Ryan James Hahn, oui, est un homme fort, mais capable de jouer son chiffre régulier au sein d'un troisième trio avec les Éperviers. Donc on voit que même Charles Corsi qui lors du dernier match à Sorel Garcia a très bien fait également, donc on peut rien. Donc tout le monde participe un peu au succès de l'équipe. C'est et Christian Deschênes, je sais qu'il avait pas joué de match encore. Pas encore. Pour l'instant, pas encore, se concentre. Petite blessure qui expliquait, mais que Christian prend son temps et comme il dit, qui puis-je tasser pour me faire une place dans cette équipe-là? Fait que, ouais. Et à ce moment-là, Christian, écoute, il est DG. Il sait que le jeu est très rapide, là. Pour l'avoir vu, là, c'est rapide. Fait que, j'enlève rien à Christian. C'est un joueur, tu sais, c'est un joueur d'expérience. Il est là. Mais d'après moi, je sais pas, j'ai pas eu la chance de discuter avec. Mais je pense que cette saison, il va laisser la place, justement, à la relève. Il va, jouer ses 5 matchs pour pouvoir. Oui, exactement. Mais tant que sa blessure sera pas rétablie à 100%, il prendra pas de chance de. Non, c'est là. De toute façon, Christian Deschênes, le gros son utilité, c'est lors des séries éliminatoires. Ça le cachera pas. Ouais, ça c'est sûr. Kevin, tu as eu la chance de rencontrer l'entraîneur Serge Forcier cette semaine, je crois, à la pratique. Et justement, on va aller du côté du vidéo de Serge Forcier, on va aller écouter ses commentaires, ce qu'il avait à dire avec cette entrevue. Je m'entretiens avec l'entraîneur des Éperviers, Serge. Déjà le quart de la saison de disputer avec les Éperviers. 8 victoires, 2 défaites. C'est-tu selon tes attentes jusqu'à présent? Ben, c'est sûr qu'on veut toutes les gagner. Mais écoute, très satisfait du début de saison. On a eu un match un petit peu plus difficile le vendredi dernier du côté de Jonquière. On voit que c'est des équipes qui vont être difficiles à affronter au courant de la saison. Comment tu vois ça avec les matchs à venir? On va affronter Jonquière un peu plus souvent prochainement. Ben écoute, first, à Jonquière, on avait beaucoup de blessés. On avait comme 4 bons réguliers qui n'étaient pas dans le line-up. Fait que c'était dur un peu. Puis c'est trop dur de jouer à Jonquière. Puis écoute, il y avait tout le club, quasiment tout le club. Puis ils sont sortis fort. Nous autres, je pense qu'on est arrivé un peu flat. Puis c'est ça qui est le résultat de la game. Merci Serge. Puis on se reparle un petit peu plus tard au courant de la saison. Ça fait plaisir. Je m'entretiens avec l'entraîneur des Éperviers, Serge. Déjà le quart de la saison de Serge, j'ai surtout demandé de parler du début de saison, parce qu'on se cachera pas que les Éperviers ont un excellent début de saison, comme on expliquait un petit peu plus tôt dans l'émission. Serge est content du travail. Et c'est sûr que, comme il expliquait, les joueurs ont beaucoup de travail à faire quand même. T'sais, oui, on a une belle fiche, là, 8 victoires, 2 défaites, mais on a un gros travail à faire pareil, parce que les autres équipes vont vraiment se concentrer sur comment battre les Éperviers. On devient comme un peu une proie facile, si on veut. Et avec le temps, c'est là qu'il va falloir s'ajuster et devenir plus conséquent, soit match après match. Parce que même dans les matchs que des victoires, on prend le match qu'on a gagné contre Laval à Sorel-Tracy lors du 8e match. Du 7e match, excuse-moi, c'était un petit peu plus difficile. Là. La victoire des Éperviers, 6-5, mais c'était pas parfait, là. Non, il y avait du travail à faire. Ouais, mais là, à un moment donné, c'est sûr. C'est ça. C'est comme le reste. Des fois, ça va bien. T'as toujours quelques travail à faire. Puis, un qu'on n'a pas parlé, Kevin, il est toujours là à chaque année. Il passe sous le radar, mais dans l'implication de son jeu, il est là, match après match. Sébastien Rioux, parle-moi-en un peu. Ben, Sébastien, on se cachera pas. C'est le capitaine, c'est le leader de cette équipe-là. Comme tu dis, cette année, il était diminué un petit peu au côté de son rôle. Il joue un rôle de 5e, 6e défenseur. Mais quand même, peut quand même remplacer comme 4e, jouer en avantage numérique. Et il fait sentir sa présence à chaque présence sur la patinoire. Là. C'est pas surprenant de le voir donner un coup d'épaule dès l'entrée de zone de l'équipe adverse. Mais c'est ça. C'est que les Éperviers sont vraiment une équipe unie. Puis c'est là qu'on voit que le travail qui a été fait. Les gars se tiennent et ça fonctionne. On va aller l'écouter justement. Tu as eu la chance de le rencontrer. Ouais. Allons écouter ce qu'avait à dire Sébastien Rioux. Je m'entretiens avec le capitaine des Éperviers, Sébastien.
excellent début de saison jusqu'à présent, 2 défaites en 10 matchs. Parle-moi de la chimie qui commence à s'installer au sein de l'équipe présentement. Ben, c'est pas une surprise pour personne. On avait pas mal le même noyau de joueurs, surtout avec les nouveaux qui sont rentrés, qui ont sauté dans le bateau, comme on pourrait dire, là, qui ont vraiment embarqué dans le moule. C'est pas une surprise. La plupart des gars étaient connus des autres gars. Fait que oui, la chimie est bien installée, puis ça paraissait à la glace. Là, comme on disait, on a le quart de la saison de jouer. C'est une fiche quasiment presque parfaite. Là, ça va être des matchs un petit peu plus difficiles pour le reste de la saison, je comprends. Hein? Oui, ben c'est sûr que toutes les équipes vont s'améliorer. Chaque équipe, de match en match, tout le monde va sortir plus fort. Oui, on a eu un bon début de saison. Par contre, il y a des parties, même si on a eu les 2 points, on avait certaines choses à travailler. Il y avait, oui, du positif, mais il y avait aussi des choses là, un peu négatives que justement qu'on pouvait travailler pendant les pratiques comme aujourd'hui, comme mercredi. C'est sûr que plus la saison avance, plus les équipes deviennent solides, plus tous les gars sont prêts. Les gars aussi pognent la game shape un peu plus. Donc c'est sûr que d'ici la fin de la saison, ça va être de plus en plus serré. Merci Sébastien. Merci. Ben, écoute, tout a été dit au niveau de Rio. Les éperviers vont être en action demain soir, on reçoit la visite des 3L pour une deuxième fois cette saison. Invaincu face aux 3L en deux matchs jusqu'à présent. Ça va être un match haut en émotion. On a vu du côté de Rivière-du-Loup, on fait beaucoup de travail là, présentement. On a ramené Marc-André Tourigny dans l'alignement. Benjamin Lecomte qui avait été échangé également de Trois-Rivières à Rivière-du-Loup qui va nous affronter également demain. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. Là, parce qu'on sait qu'avec les 3L, il y a une petite bataille de 3 gardiens de but, là, c'est-à-dire entre Paul Bourbeau qui était notre second l'an passé. On a également Guillaume Dessel qui était le gardien qui nous a fait mal des séries. Et Philippe Trudeau qui est également comme deuxième gardien à Rivière-du-Loup. Mais là, je sais qu'on a tendance des fois peut-être que Bourbeau, on veut lui faire jouer un match, le faire jouer contre son ancienne équipe parce que ça pourrait être bon. C'est des situations qu'on pourrait peut-être voir demain, mais c'est à voir là-dessus qu'est-ce qu'il y en est pour le Donc reste. Un match important demain. Encore pour un match important. Ouais. Et dimanche soir. Dimanche après-midi. Dimanche après-midi à 15h30, je crois. 15h30 du côté de Laval. Oh. Donc un match, on se souvient des événements qui s'est passé lors du dernier match. Vous avez sûrement tous déjà vu sur le web partout. Donc un match qui risque d'être encore haut en émotion. C'est toujours des matchs haut en émotion. On ne sait jamais contre Laval. Tu remarques, contre toutes les équipes, mais particulièrement... C'est une rivalité qui dure depuis longtemps. Tu parles de rivalité... De 3L de Rivière-du-Loup, là, sûrement. Ben, je m'amusais cette semaine à regarder ça. Ça aurait là les rivalités avec Trois-Rivières parce que c'est pas loin, ouais. Avec Laval parce que c'est pas loin, avec Jonquière parce qu'on les a affrontés maintes fois en série, avec Thetford parce qu'on les a affrontés maintes fois en série, avec Rivière-du-Loup parce qu'on les a affrontés en finale et ça a créé un petit chimie. Il y a Saint-Georges encore qui n'a pas une rivalité, mais c'est pour moi c'est une question de temps. Là. Ça commence déjà à avoir un petit être fébrile entre les deux équipes. Bien sûr, mais l'animosité. Puis c'est une bonne guerre. T'sais. On a quand même. Les équipes veulent attirer. Peu importe qui vient jouer, tu ne vas pas dire un soir c'est Thetford, je ne vais pas. C'est Saint-Georges, je ne vais pas. Non, il faut créer des rivalités malgré toutes les équipes. Et c'est ce qui va être bon pour la Ligue nord-américaine. C'est ça qui va faire une belle promotion de la Ligue nord-américaine. On a de l'excellent hockey. Jusqu'à maintenant, là, tout ce que j'ai vu des parties, écoute, c'est incroyable. La dernière partie contre Rivière-du-Loup, là, il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait une rivalité nouvelle construite depuis l'année passée. Là. Puis ça a été vraiment un bon match à assister à ce match-là, puis c'était vraiment bon. Ah, puis c'est sûrement une rivalité qui va être là toute la saison, ça c'est... Soyez-en certains, Kevin, t'es là, toi, ouais, depuis... t'es bien positionné en plus. Hein, oui, depuis quand même 16 ans, hein, puis l'année passée, on avait passé vraiment proche aussi de l'avoir, l'autre année d'avant aussi, fait que les gars, à un moment donné, ils veulent pas, c'est comme, à un moment donné, ils ont hâte de l'avoir, puis quand on rencontre ces clubs-là, c'est tout le temps d'intensité, surtout contre, comme il dit Kev, contre Laval, là, c'est de l'intensité, puis ce que je trouve correct aussi là-dedans, c'est que s'il y a de l'intensité là-bas, c'est pas obligatoirement qu'on rend l'appareil ici à Sorel-Tracy, tu sais, c'est pas... Non, mais c'est normal. Il ne faut pas s'attendre non plus quand on a des matchs, de genre de matchs comme ça. Bon, mais là, il y a eu une bagarre à Laval, on va avoir une bagarre à Sorel. Non. Sur la saison, si tu y vas à tous les matchs, tu risques d'avoir, justement, tu te dis, s'agit que tu te dises, bon, ce soir, je ne vais pas, il n'y a pas de tough, ou il n'y a pas, ces joueurs-là ne jouent pas. C'est ça la différence. Puis c'est là que tu vas manquer le meilleur match. Non, ça veut rien dire. Quand on parle de rivalité, il y a beaucoup de gens qui vont associer rivalité au combat de la Ligue nord-américaine.
Mais il faut dire qu'avec le temps, oui, la Ligue a changé. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. Chacun a son opinion sur le sujet. Sauf que la rivalité en tant que telle, c'est de voir des bonnes mises en échec. C'est de voir du bon hockey, des jeux sensationnels. Que, exemple, triple passe, Charpentier qui réussit à marquer. Un arrêt spectaculaire de Saint-Laurent, de Rousseau. Rousseau qui est quand même encore spectaculaire comme gardien de but. On peut rien enlever à ça, mais c'est ce qu'une rivalité va apporter. C'est le fait d'haïr une équipe. Pourquoi? Parce que ça crée de l'animosité toujours à chaque match. Puis sans parler de... Oui, ça va aller. Les hommes forts vont faire leur travail. Les hommes forts ont leur travail à faire. Les marqueurs ont leur travail à faire. Les défenseurs et les gardiens ont chacun leur travail à faire. Sauf que il y a des fois que quand la marmite elle vient un peu plus pleine, fait, c'est là que ça l'explose. Puis c'est là que ça fait des plus gros boom, comme on dit. Mais c'est fait partie du tabac de la Ligue. Exactement. D'un soir à l'autre, le spectacle est extrêmement différent. Tu peux y aller un soir puis ça va être que de la bataille. Ou un autre soir que ça va être très bon hockey. D'où l'importance d'assister à tous les matchs. Voilà. Messieurs, on va s'arrêter. Pause une minute et demie à peu près. Et au retour, bien, on enchaîne avec Francis Marquette. On va parler un peu du Canadien. Bon début de saison du Canadien. Ça va bien, mais... Ça va bien. Au retour de la pause, Francis Marquette. Et avec son bloc de la Ligue nationale de hockey. À tout de suite. OK, temps d'arrêt. Promotion. Femme beauté magique. Achetez deux produits pour homme. Ref ou faites pas et obtenez 5 $ de rabais. Ton ordinateur est lent, t'es écœuré qui plante, t'as plein de virus, ben va chez Ordi Plus. Ordi Plus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. De retour et maintenant, bien, passe la rondelle à Francis Marquette. Ça fait longtemps, Francis, là, on m'ennuie un peu. Puis j'ai pensé à toi là, cette saison, je ne l'ai pas mentionné, mais Francis me disait Yannick, on n'a pas le temps de parler, c'est court, on n'a pas le temps de débattre. Ben, je disais justement, c'est la nouveauté cette saison. On va pouvoir débattre. C'est pour ça qu'on a mis une proximité, mais quand même, on vous a gardé loin. Pour être sûr de ne pas vous prendre là, à bout de bras, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai des petits bras, fait que on va avoir la chance de débattre là, sur les sujets. Et restez avec nous, parce que tantôt, l'animosité était là. Là, j'ai dit au gars, gardez ça pour le show, parce que là, vous allez débattre là, on va arriver plein de sang, ça ne marchera pas. Là. Fait que tantôt, restez là. Des beaux débats à suivre. Francis, début de saison du Canadien, 11-1-1, on peut-tu demander mieux? Non, on peut pas demander mieux. T'sais, surtout quand on revient en arrière, là, après une saison catastrophe, là, on va se le dire, là, c'est une saison catastrophe l'année passée. Elle avait bien parti. Ça avait bien parti.
Mais tu sais, on peut pas non plus vivre dans le passé, puis continuer à avoir des inquiétudes tout le temps. Écoute, Price, il est pas fait en porcelaine. Des blessures, ça arrive. C'est plate. L'année passée, moi, je suis pas prêt à dire que c'était une saison perdue. C'est pas une saison perdue. Marc Bergevin en a profité pour aller chercher un défenseur exceptionnel pour l'avenir, en Sergachev. À part de ça, on prend des notes, puis on recommence, puis là, on passe aux de bonnes notes. Price est en santé. C'est les blessures. C'est sûr que quand t'as pas de blessures, pour l'instant, le Canadien évite les blessures. C'est sûr et certain que là, présentement, ton noyau. Il n'y a pas eu de blessures sérieuses, mis à part Lekkonen récemment. Redmond, c'était le 7e, 8e défenseur avec le Canadien. Il va revenir, mais tu sais, on parle pas de blessures sérieuses qui mettent en danger la séquence du Canadien présentement. Lekkonen, c'est un jeune joueur, vient d'arriver. On a plusieurs jeunes du même type. Tu sais, Lekkonen, il a bien fait au camp d'entraînement, mais tu sais, un Daniel Carr est capable de faire le travail. Un André Gatto qui a, tu sais, oui, il a passé par le balotage. Non, il a pas été sélectionné, mais ça reste quand même un bon jeune joueur. Il y a plusieurs personnes pour le même poste qui peuvent se remplacer. Oui, Charles Hudon, c'est dommage, là. Il a pas été rappelé souvent. Ouais, puis l'an passé, j'ai mis le doigt dessus un petit peu. Mais mordicus, ouais. Mais j'aurais aimé ça le voir plus souvent l'année dernière parce que, justement, il aurait peut-être eu plus d'expérience pour cette saison. Il aurait peut-être eu plus de chances au camp d'entraînement de se faire valoir. Mais je suis convaincu qu'on va le revoir cette année. Puis jusqu'à maintenant, là, dans la Ligue américaine, là, ça va très, très, très bien pour Charles Hudon. Mais un des points négatifs, comme tu l'expliques un petit peu, c'est de voir que on garde un gars comme Thomas Plekanec sur un troisième trio au salaire qu'il fait. Tu sais, c'est un gars de 5 millions. Ça, c'est tantôt, Kevin. Non, mais je veux amener le... T'allumes la mèche. C'est ça. Je veux juste amener l'anecdote. Parce qu'on se dit tout le temps, tu sais, un gars de plus de 3 millions censé jouer sur un premier ou deuxième trio, on se le cachera pas. Non, c'est plus sûr. À cette heure-là. Et... 3 millions, là, on peut augmenter les prix. Là. À 3 millions, t'es encore un joueur de troisième trio. C'est rendu à peu près au salaire de Pacioretty. Donc, si je t'écoute, Andrew Shaw devrait jouer sur un deuxième trio. C'est le salaire qu'on lui a donné. Malheureusement, c'est pas un joueur de deuxième trio. Ben, pourquoi à place d'exemple, comme tu m'expliques un peu, à place de développer un Plekanec, tantôt. Jamais. Oh, mais ça, tu vas comprendre. Ok. Tu comprends mon anecdote. T'amènes pas un McCarron. McCarron pourrait être exemple la bouchée de la surprise du Canadien en le faisant jouer plus régulièrement parce que j'aime mieux voir un McCarron qui va se développer qu'un Plekanec que tu vas perdre dans un an ou deux. Ouais, mais McCarron, c'était au camp d'entraînement. C'était là. Il a eu sa chance, là. Kevin. Je veux bien. Des joueurs comme McCarron. T'arrives au camp d'entraînement, t'as pas le choix. Faut que t'en fasses plus que tous les vétérans de l'équipe. T'as pas le choix. Puis pour avoir une place, faut faire un petit peu comme Lekkonen a fait. J'avais écrit une chronique au début du camp d'entraînement que jusqu'à maintenant, personne n'avait voulu prendre la chaise qu'on leur offrait. Parce que oui, il était libre, puis c'était assez clair avant de commencer le camp d'entraînement qu'il y avait un poste disponible, puis même pas juste dans les 12 premiers attaquants, sur le top 6, il y avait une place disponible. Puis finalement, au fil du camp d'entraînement, Lekkonen a saisi sa chance, s'est mis à marquer des buts au camp d'entraînement. J'enlève rien, mais Lekkonen, je garde, c'était une des surprises du camp, on l'a vu performer. Mais ça a été long. Il a sa place à Montréal. C'est un gars qui, je pense que son travail défensif a fait en sorte qu'il a resté dans la Ligue nationale. Ben oui, c'est sûr et certain. C'était une de ses forces avant d'arriver ici en Amérique du Nord. On le savait très bon, très efficace dans les deux sens de la patinoire. Par contre, c'était de savoir s'il était capable de s'ajuster aux plus petites patinoires nord-américaines. Puis finalement, ça va quand même assez bien. Malheureusement, il est blessé présentement. Mais je suis convaincu qu'on va le revoir. Puis on n'a pas fini de parler de lui. Là. C'est quand même un bon jeune joueur. Là. Persuadé. Et bon... Il y a eu des nouveaux joueurs qui se sont greffés. Quelques-uns, oui. Shaw. Andrew Shaw, c'est peut-être la seule... Je veux pas parler de déception, mais ça reste quand même... On s'attendait à plus d'Andrew Shaw. J'étais pas grandement satisfait de l'acquisition d'Andrew Shaw parce que, pour moi, les Canadiens devaient profiter de cette saison. Un petit peu comme je disais tantôt, dans le fond, tu sais, faut pas perdre une saison où ce qu'on a...
Tu sais, faut pas gaspiller une saison où ce qu'on a perdu plus qu'autrement. Tu sais, dans ce temps-là, faut essayer de profiter de cette situation-là pour regarder notre banque d'espoir. Puis c'est ce que le Canadien a un petit peu manqué, mais Andrew Shaw, ça reste quand même un bon joueur, là, un bon joueur vétéran, intense. Oui, il y a juste deux buts, un but, mais, deux passes, je pense, une affaire comme justement, ça. Justement, puis... avant de parler de Weber, Shaw, est-ce que c'est, tu sais, il y a eu des pénalités, il y a des crocs en jambes, il y a son, tu sais, son attitude. Est-ce que on peut s'attendre à ça? Non, mais c'est correct. On faut s'attendre à ça. On veut aller chercher pour son caractère. Ça, c'est correct. Ouais. Mais pensez-vous que du fait qu'il y a eu un avertissement tôt en début de saison, ouais, ça vient un peu affecter le son mental, son éthique de travail, mais tu sais, son mental, il va faire comme vous, puis là, il va falloir que je sois un peu plus prudent avant d'y aller à fond la caisse. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé avec ça, on s'enlèvera pas que le fait de partir de l'Ouest, c'est venir dans l'Ouest, c'est le style d'hockey qui se joue, on se cachera pas, et dans l'Est, sans dire que c'est plus frigide, c'est du plus beau hockey. C'est moins du hockey axé sur la vitesse. C'est un hockey d'agilité, si on veut. Ouais. Tandis que dans l'Ouest, c'est vraiment du bon vieux hockey. Ouais, mais par contre, tu l'as ton équipe. Mais tu dois t'en servir comme atout pour te déranger, justement, changer un peu le style. Je pense pas non c'est plus ce que c'est aussi le problème d'Andrew Shaw. Je pense juste que Andrew Shaw est arrivé ici avec plein de bonnes intentions. Il voulait faire une différence. Oui, le contrat peut jouer un petit peu, tu sais. Mm-hmm. On en a déjà parlé, Dale Weiss, quand il est arrivé à Montréal, il était très intense, mais à la minute qu'on lui donnait un plus grand rôle offensif, c'est là que on voyait, ouais, ben, tu sais, on le voyait s'écraser un petit peu plus. Mais c'est la même chose pour n'importe quel joueur, tu dois jouer dans la bonne chaise. Puis Andrew Shaw, présentement, on joue un petit peu avec les chaises, c'est peut-être le seul problème que je donnerais vraiment à Michel Therrien depuis le début de la saison, c'est qu'on... Il aime ça, Michel. Ouais, on brasse un peu trop les cartes. Bon, oui, exactement. Des fois, on brasse les cartes, puis on va chercher dans les cartes, on va piger dans les cartes qui sont bonnes. T'sais, le premier trio fonctionne, on va chercher un joueur dans le premier trio pour l'emmener dans le deuxième trio, pour emmener l'autre joueur du deuxième trio dans le troisième trio. Puis là, finalement, c'est il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais on peut pas trop exagérer non plus. C'est on est 11 victoires, une défaite. Ben, c'est sûr que l'affiche 11-1-1, on peut pas chialer, mais bon, on pourrait faire plusieurs... On a de la matière là pour faire plusieurs émissions sur ce début de saison parce que ça cache des choses. Vu qu'on parle rapidement, le temps file incroyable. Shea Weber... J'étais déçu du départ de Piqué Subban. C'est pas de l'arrivée de Shea Weber, mais vraiment plus la manière que... J'ai jamais aimé comment on a entouré Piqué Subban. À son arrivée avec le tricolore, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller chercher un défenseur vétéran, l'encadrer. Puis finalement, ce défenseur-là a été all-gill pendant quoi? Une saison, je pense, avec Piqué Subban. Mais c'est pas assez. Moi, je m'attendais dans le temps... je me souviens, c'était Robin Regier que je voyais tellement venir donner un coup de main à Piqué Subban. Encore faut-il que lui voulait se faire aider. Jeff, t'étais-tu d'accord avec ça, toute la transaction? J'étais déçu aussi du départ de Subban, mais pas pour les raisons hockey. Je pense que c'était plus pour ce que ça l'apportait. Sa visibilité. Je pense que même si le Canadien n'a pas besoin de marketing tant que ça, Piqué Subban attirait du monde à lui tout seul. C'est sûr. Puis un peu comme j'ai parlé souvent de Tim Thibault l'année passée au football, c'est un vendeur, tu sais, c'est un gars qui peut vendre beaucoup, beaucoup. Puis du côté marketing, je pense que c'est ça qui était décevant pour les Canadiens. Kevin? Ben moi, écoute, je suis d'accord complètement avec lui parce que déjà, quand il est arrivé là-bas à Nashville, il est sorti de la limousine ou de l'auto, habillé tout en jaune, tu sais, un costard jaune avec un chapeau jaune. Puis son implication aussi avec les enfants, il a quand même resté à s'impliquer. Son 10 millions qu'il a donné sur 10 ans, il est quand même resté ici, là. Puis là-bas aussi, il se trouve à s'impliquer, mais il reste qu'au niveau de l'implication, on connaît pas vraiment Weber, son implication en tant que tel. Sûrement qu'il va s'impliquer, il aura comme pas le choix, mais lui, Piqué, son implication, c'est un peu un gars comme moi, tu sais, il aime s'impliquer au niveau des
Il s'occupe de son branding. Oui, exactement. Puis Peaky Subban Inc. C'est pour ça que ça rejoint ses propos, là. Puis c'est vraiment là-dessus que. Fait que là, on a juste parlé du branding. Mais c'est une équipe d'hockey. Il y en a un qui m'a parlé de. C'est une équipe d'hockey. Du hockey, là. Il m'a pas parlé d'hockey, il m'a parlé de branding. Moi, si je peux rajouter. Donc, l'échange est bon. Ben, l'échange est bon, oui. Mais ce que moi, j'ai retenu, c'est vraiment son lancer frappé. Ce que je pense qu'on a fait, c'est échanger les meilleures années de Peaky Subban contre les dernières années de Shea Weber. Exactement. Mais si on regarde un peu plus loin, puis ça, on y reviendra plus tard. De prochains épisodes, parce que on s'entend que on a une longue saison devant nous. Oui. Mais je pense vraiment que Marc Bergevin vise quelque chose cette saison, l'an prochain. Donc, je comprends un petit peu Marc Bergevin de penser ouais, parce comme que sa fenêtre, elle commence à ratisser. D'y aller avec un Shea Weber. Ben, c'est Shea Weber fit probablement mieux dans le style du Canadien. C'était un manque chez le Canadien. T'sais, moi, un de mes joueurs que j'ai beaucoup aimé, pas préféré, là, mais un que j'ai beaucoup aimé dans les 10 dernières années avec le Canadien, ça a été Sheldon Sorey. C'est pas un grand joueur. Mais j'aimais son style, j'aimais son côté physique, j'aimais son lancer frappé qui, écoute, tu voulais pas te mettre devant son lancer même frappé. Chose, il était même dangereux pour ses propres coéquipiers. Mais bon, tu sais, c'est son seul défaut à Sheldon Sorey, c'est que défensivement, certains le comparaient à un cone. Mais Shea Weber, c'est pas le cas. C'est un Sheldon Sorey avec les qualités défensives x 1000. Tu sais, c'est vraiment son leadership aussi. Son leadership. Mais Sheldon Sorey avait un bon leadership aussi. Par contre, c'est un joueur complet. Ouais, c'est ça. Puis ça, avec le Canadien, avec un Price derrière, ça peut faire vraiment là, des miracles. Exactement. Ça amène la question, est-ce qu'on a été chercher Shea Weber pour protéger Carey Price, parce que Subban, c'était pas ce qu'il faisait en tant que tel. Allez, c'est sûr que quand on regarde un Alexis Emelin, oui, il est physique, oui, il va frapper, mais tu peux pas répondre, tu sais, si le joueur peut pas répondre de sa mise en échec, Alexis Emelin, c'est pas celui non plus qui, après un coup de sifflet, va aller défendre Carey Price. Oui, non. Il va brasser un petit peu, mais c'est pas lui qui va jeter les gants. C'est pas... Il sera pas le premier au fond. Je m'attends pas non plus à voir Shea Weber jeter les gants, mais il a même pas besoin de jeter les gants. C'est son respect. Que... Les joueurs le respectent. Exactement. Exactement. La fenêtre est là pour le Canadien, puis je pense que c'est ce que Marc Bergevin visait, soit pour cette année ou l'année prochaine, c'est... La fenêtre est ouverte. Là, je suis des meilleures années de Carey Price. Je vais chercher Shea Weber qui est dans les meilleures années qu'il va pouvoir donner aux Canadiens. Il essaie de bâtir la meilleure équipe peut-être pour un an ou deux parce qu'on s'entend que Marc Bergevin là, avec cette transaction-là a mis ses couilles à la table. Oh oui, tout est là. Si ça marche pas, c'est terminé. Pour lui, pour Michel Therrien, tout le monde va prendre la porte. Fait que, s'il y a une autre saison comme l'année passée, ça va être terminé. C'est effectivement. Il nous reste 2 minutes au blanc que... Francis, il y a sûrement ça passe vite, ouais. Il y a sûrement des équipes qui ont un bon début de saison, autant que d'autres ont un mauvais début de saison. Obligé de parler tout le temps du Canadien. C'est sûr et certain que, écoute, mes surprises cette saison, jusqu'à maintenant, il y a en moyenne à 11 à 14 parties de jouer, là, dépendamment des équipes. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas le choix. On peut pas passer à côté des Oilers d'Edmonton. C'est sûr et certain qu'on les attend à tous les années. Cette année, écoute, un bon début de saison. C'est sûr que dernièrement, ça a ralenti un petit peu, mais je pense pas qu'ils vont ralentir au point de rater les séries. Je pense qu'ils vont se rendre jusqu'en série cette saison. Puis un Connor McDavid, incroyable. La vitesse de ce gars-là, ouais. C'est fou. Le talent. Puis pour vrai, je compare un petit peu l'importance de McDavid avec Carey Price, avec le Canadien. On a vu l'année passée, il s'est blessé. Ça a été difficile pour les Oilers pendant qu'il était absent. Là, cette saison, il est en santé, ça va bien. Puis je suis convaincu que ça va continuer de bien aller. C'est le danger des fois des blessures, justement. Si les gars sont jeunes, oui, ils sont formés, mais le danger de se blesser et de perdre à long terme, un peu comme l'an passé, il faudrait pas que ça arrive aux Oilers encore cette saison. Non, c'est sûr. C'est ça qui est important aussi, tu sais, comme tu disais, pour enchérir, les équipes maintenant
qui ont du succès, ils ont pratiquement tous des joueurs de concession. Fait que lui, ça n'est un joueur de concession, puis ça apparaît, puis ils vont bien le traiter justement pour aller très loin. Mais quand un joueur de concession, il est bien traité, puis il se sent bien, pense qu'il va tout faire pour aider l'équipe, puis c'est ce qu'il fait en ce moment, puis ça fait une unité, ils vont aller très loin. C'est sûr, certain. Effectivement. Sinon, à part dans une autre surprise, je sais pas si vous partagez mon opinion là-dessus, mais les Rangers de New York, à oui. tous les oui. saisons, j'ai oui. l'impression que cette équipe-là va finir par... T'sais, on vieillit, on échange nos choix de première ronde. Pis t'en parles, Francis. J'ai un pool personnel que je prends Henrik Lundqvist parce que c'est le meilleur gardien disponible au moment que je repêche. Je me dis, ah, Lundqvist, au moment, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Au pire, je vais l'échanger. Pis jusqu'à présent, il est meilleur que mon deuxième. Mon deuxième, c'est Jake Allen à Saint-Louis. Fait que tu te dis, comment se fait-il que ce club-là, avec pas les minorités, parce qu'on sait que c'est un club qui est quand même assez performant pareil, réussit encore à gagner. Mais on a une bonne équipe, une bonne administration. Juste d'avoir été chercher un Jamie Vesey, c'est déjà une grande acquisition. Pas que c'est la grande vedette chez les Rangers, mais c'est une excellente acquisition parce qu'on manquait de jeunes au sein de l'organisation. On n'a pas repêché souvent en première ronde dans les dernières années. On les a échangés pour obtenir des joueurs pour aller loin en série. Finalement, à tous les saisons, ça tournait pas vraiment à leur avantage, quoique on s'est rendu quand même jusqu'en finale de l'Est. Mais oui, c'est quand même une question que je me pose en terminant. Oui. C'est que... Parce que je veux qu'il me donne une équipe dont il est déçu. Ok, ben vas-y avec ça, puis je vais dire la mienne après. les Stars de Dallas. Écoutez, 4 victoires, 6 défaites, 3 défaites en fusillade ou prolongation. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais les gardiens, on parle du Canadien, une grande équipe cette saison jusqu'à maintenant, avec Carey Price derrière. Les Stars, c'est un peu plus compliqué. Puis on a une bonne attaque, une défensive. C'est pas super stable. C'est totalement le contraire du Canadien présentement. La défensive du Canadien, on peut parler d'une très bonne défensive. Je veux dire, oui, il y a des questions sur Beaulieu, il y a des questions sur Patrin, laissé de côté ce soir. Moi, j'aime beaucoup la défensive du Canadien. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis avec un Carey Price derrière, c'est ça stabilise tout. Exact. Mais les Stars, c'est une grande attaque pour le reste. Pour le moment, l'étoile ne brille pas. Non, c'est ça. C'est exactement. Ce que j'allais apporter, c'est l'équipe qui me déçoit beaucoup, c'est l'Avalanche du Colorado. Parce que le seul joueur qu'on peut dire qui performe bien présentement, qui est à plus 1, c'est François Beauchemin. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? On disait que les Matt Duchene et Nathan MacKinnon, on avait une belle attaque. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils soient échangés cette saison. Donc, c'était pas l'entraîneur. C'était peut-être pas l'entraîneur le problème. Merci beaucoup, messieurs. On va aller du côté de la pause. On se donne un 2 minutes de pause, le temps de relaxer. Le stress, je pense, a commencé à descendre. Le vin, ça passe bien. Pas de problème. On va du côté de la pause. Et au retour, mais là, on va s'entretenir avec Jeff Rivard, mon spécialiste soccer. On va parler de l'Impact. Il y a de belles choses qui arrivent pour l'Impact. On va effleurer le sujet du baseball, les Cubs et la Série mondiale, c'est bien sûr. Donc au retour, soccer et baseball en compagnie de Jeff Rivard. Restez là. OK, temps d'arrêt. Promo, promotion. Temps de beauté magique. Achetez 2 produits pour homme, ref ou faites pas, et obtenez 5$ de rabais. Ton ordinateur est lent? T'es écœuré qui plante? T'as plein de virus? Ben va chez Ordi Plus. Ordi Plus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666.
Bon, ben moi, je pense. Bien, nous sommes de retour à l'entraque sportif. Là, on a perdu Jeff. Ah ben, Jeff, il est pas là. Prenez Jeff, c'est ta chronique. Où es-tu? Ah, le voilà. Il est là. Il était stressé. On parlait de l'impact, donc Jeff... Il était fébrile. Écoute, on parlait de stress tantôt. Donne-moi 30 secondes. Le stress, il y a des stress. on va lui laisser le temps de revenir. Ça va bien. Ça va bien avec l'impact, quand même. Mais ça va bien avec l'impact, bien sûr. Pas de problème. C'est la beauté d'être télédiffusé. C'est la première fois pour ça. On va se mettre en Tu vas t'en faire parler, ça va être correct. Faut qu'il en pense, c'est normal. Oui, ça va bien pour l'impact. Écoute, finale de l'Est au Stade Olympique, sous le coup de 17 ans, on parlait de 40 000 billets, pas de saison, mais 40 000 billets de vendus. Est-ce qu'on va atteindre le 60? Ah, je pense bien que oui. Écoute, avec la fin de saison, que l'impact, les derniers mois de la saison, là, ça allait vraiment pas bien. Puis j'avais vraiment pas un bon feeling à l'approche des séries. La dernière semaine, t'es allé chercher un gros match à DC United. Après ça, en série contre New York, qui avait pas perdu pendant 20 matchs. On a réussi à aller chercher une victoire au Stade Saputo. Puis en plus, on est allé les rebattre chez eux à New York. Donc deux victoires de suite contre une équipe qui n'avait pas perdu depuis le 3 juillet. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce que Mauro Biello a réussi à faire dans les dernières secondes là, de la saison. On peut expliquer ça par plusieurs facteurs. C'est-tu la décision de bencher Drogba? Mais à un moment donné, il y a une chimie qui s'est créée. Quand ça s'est mis à compter, l'impact a été présent. Puis la semaine dernière, on a vu une très grosse victoire. Puis surpris de la victoire. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça contre New York. Parce que New York a été vraiment, si c'est pas la meilleure équipe en MLS durant toute la saison, ça a été proche. Puis New York a pas joué des mauvais matchs contre l'impact. C'est vraiment l'impact qui a élevé son jeu d'un cran, surtout défensivement. Beaucoup plus compact que ce qu'on a vu durant la saison, puis opportuniste offensivement. Tu as dit du travail d'Evan Bush aussi, qui ouais, dans son ça. Filet joue très bien. Hein. Evan Bush est dans une excellente séquence. Écoute, le dimanche dernier, l'arrêt sur penalty, ça aurait complètement changé le match. Si vous m'avez écouté l'année passée, là, Evan Bush n'est pas mon préféré. Il arrive souvent des crampes au cerveau, mais ce que j'ai vu là sur les pénalties, il en a arrêté deux ou trois cette saison. C'est vraiment impressionnant parce que on dirait que c'est, tu sais, souvent sur un pénalty, le gardien va se lancer d'un côté ou de l'autre, puis c'est un hasard. Question de l'instinct. Contre Clashton dimanche, il avait vraiment l'air de savoir où le ballon s'en irait. Ben c'était ma question. Tu sais, on parle des gardiens de but au hockey, comment ils sont très, très, très bons, excellents. Des fois, ça a l'air tellement facile. Mais là, au soccer, justement, pas évident de dire oh, « je vais arrêter de pénalité ». J'ose imaginer que c'est les gars travaillent. On voit pas aussi souvent qu'au hockey, mettons, le gardien faire la différence. Non. Mais Evan Bush, il faut lui donner le crédit. Dimanche, son arrêt sur le pénalty, ça a fait vraiment faire toute la différence. Ben moi j'ai joué à 19 ans au soccer là, puis je peux vous dire que justement quand j'ai joué plus haut avec mon frère jumeau, là on voyait que le goaler en tant que tel, il était très très athlétique, puis ce que ça fait aussi comme différence, c'est que quand une équipe comme l'Impact présentement, moi je dis souvent, les gens qui me connaissent puis sûrement qui m'écoutent, famille unie. Quand c'est une famille unie sur le terrain, selon moi, il y a pas de complications. C'est sûr qu'on va vers la victoire. Puis c'est un peu ce que l'Impact fait si tu veux renchérir. Justement, excusez. Ben non, tu peux me couper, il n'y a pas de trouble. Mais est-ce que, tu sais, il y a eu des hauts et des bas durant la saison. Il y a eu l'histoire de Drogba qui a fait beaucoup de vagues. Mais je me demande, justement, dans les dernières semaines, est-ce que cette histoire-là avec Drogba, est-ce que les hauts et les bas durant la saison n'ont pas rendu l'impact plus fort, plus fort. Uni? Est-ce que ça a resserré les liens au point que maintenant, c'est peut-être l'équipe à battre? Moi, je pense que ce qui a été l'élément clé pour l'impact, c'est Patrice Bernier. Parce que on peut regarder l'affiche là, de l'impact avec Patrice Bernier dans l'alignement. Là, je pense qu'ils ont perdu seulement un match, puis ils ont quelque chose comme 10-12 victoires. Puis
c'est niaiseux parce que Patrice, à chaque année, on essaye comme de le tasser, disait t'es rendu trop vieux pour jouer. Mais quand il arrive des matchs importants, on l'a vu en série l'année dernière contre Toronto, c'était un des meilleurs joueurs. Puis encore depuis trois matchs, dans le fond, qui est dans le partant, on l'a vu, c'était un des meilleurs joueurs. C'est son leadership sur le terrain, mais c'est pas seulement ça, c'est son contrôle du ballon. Puis, tu sais, Nacho Piatti, c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe en ce moment. Là, c'est lui qui tire l'équipe. Mais durant toute la saison, on lui a demandé de faire le job de Patrice Bernier, d'être le capitaine pendant que Patrice était sur le banc. Puis on dirait que ça le fatiguait. Mais d'avoir Patrice sur le terrain, on dirait que ça libère Nacho un peu. T'as enlevé un peu de pression. Puis, il joue son soccer comme il jouait en Argentine. C'est vraiment un gars qui est à l'aise. Là. Vraiment, en ce moment, il joue le meilleur soccer, puis en ce moment, là, il s'enligne vers le titre de MVP des séries. Là. Puis, tu sais, en 11 joueurs sur un terrain, il faut t'en faire à t'aider, à t'entraider, ton coéquipier. Est-ce que vous pensez que Mauro Biello, il est pour 70% de la réussite de l'Impact, 50%? À quel niveau on peut dire que Mauro Biello, c'est un des artisans majeurs? Par expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a assis Drogba. Oui, c'est ça. Moi, je te dirais qu'il est là à 60%, pas 75%, c'est trop un peu. Là, parce que 60%, je te dirais, parce que justement, quand il a décidé de bencher justement Drogba, c'est parce que je trouve que ça allait donner de la confiance aux autres joueurs, tu sais, en voulant dire. Drogba, il est extrêmement fort, extrêmement puissant, c'est un très très bon joueur. Mais on va y montrer à Drogba, plus qu'à n'importe qui d'autre, qu'on est capable de jouer avec lui dans notre équipe, mais assis sur le banc, parce qu'il est dans leur équipe pareil. Puis il les motive quand même sur le banc. Mais eux, ils vont lui montrer à Drogba, garde Drogba, on est capable quand même de jouer. Puis quand ça va être à toi de rentrer, autrement dit, le travail sera pas fait, il sera pas fini, mais il va falloir que tu viennes nous aider à maintenir la cadence, autrement dit. Puis oui, Mauro Biello, écoute, moi j'ai... Depuis le temps que j'écoute l'Impact, il est très solide comme coach. Là. Mais moi, je vais être dur avec Mauro Biello, mais moi, j'attribue à peu près à 10% le facteur de Mauro Biello dans l'histoire actuelle. Parce que je pense pas que la décision de bencher Didier Drogba venait de lui. Mauro Biello, là, si on remonte là, dans les 4 dernières années, depuis l'Impact en MLS, c'est un gars qui était assistant coach, pis ça, pis c'était tout le temps lui qui faisait le pont entre la direction et le coach. Là, on dirait qu'en le mettant à lui, là, c'est plus la direction qui contrôle l'équipe sur le terrain, plus qu'avec Marco Schalibaum ou avec Jesse March. J'ai vraiment l'impression que Biello est un pantin un peu de Joey Saputo. Mais là. Mais il apporte un bon point. Je suis persuadé qu'il n'y a pas personne qui avait pensé, se doutait un peu de la réponse de Jeff, mais c'est un point qui. Non, c'est un point qui apporte qui est très très bien. Puis moi, la façon que je l'ai comparé à 60%, c'est peut-être un peu trop, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux autres entraîneurs, sérieusement, c'est le jour pas la nuit, là, par rapport aux autres entraîneurs qui ont passé là avant. Pourquoi? Parce qu'il était avec l'équipe depuis le début quand même. Là. Fait qu'il a tout vécu les stades, les étapes d'un joueur de soccer. Puis là, il est rendu à ce stade-là. Il a quand même joué avec l'équipe. Il a même joué avec l'équipe. Tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est quand sa même... Sa grosse qualité à Mauro Biello, c'est qu'il est près des joueurs. C'est un ami de tous les joueurs. Exact. Même Didier Drogba, c'est son ami. Même s'ils sont pas entendus dernièrement, on l'a vu dimanche dernier, la collade qu'il y a eu entre les deux après le match. Donc. Parce que je pense que Didier, en fin de saison, avait ralenti beaucoup, puis il jouait malgré qu'il était blessé, puis on l'a comme forcé Mauro à dire à Didier, garde, tu te reposes, tu joues pas, puis on va essayer de trouver une solution, parce que Mancosu, qui est arrivé durant la saison, a vraiment performé tout de suite, tandis que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent d'un joueur qui arrive à l'équipe. Tout de suite, il y avait une chimie avec Nacho, puis et les autres joueurs. Fait que je pense qu'on a voulu tout de suite essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Mancosu, puis ça a été excellent. Mais regardez le dernier match, Mancosu moyen, on a embarqué Drogba à la fin du match. Drogba a fait une différence dès son arrivée, là, à peu près 5 minutes de commencer dans le match. Le deuxième but de Piatti, la passe. C'est si Drogba ne fait seulement que regarder du côté de Piatti avant de faire sa passe, il y a un défenseur qui s'en va dessus. Il était 4 sur Drogba. 4 défenseurs de New York. C'est la vision de jeu, un peu comme Wayne Gretzky au hockey. C'est sa vision. Il savait où ce que Nacho allait être sans même le regarder. Puis ça a fait que ça a attiré 4 défenseurs sur lui. Il a passé à Nacho, puis Nacho était tout seul. Puis il a compté le but. Mais c'est vraiment c'est quelque chose d'un grand joueur. C'est quelque chose qu'on peut pas apprendre. C'est du talent.
C'est du talent brut, c'est de l'instinct, c'est ça. C'est un peu comme Oduro. C'est un peu comme Oduro, là, tu sais. Oduro, c'est un joueur explosif, tu sais, physiquement, esthétiquement aussi, là. C'est assez explosif, mais c'est là que tu vois que c'est un joueur d'équipe. Puis je pense des joueurs comme ça, l'Impact en a beaucoup. Ce que ça fait, c'est justement, tu sais, il écoute bien le coach, puis il écoute bien, très bien même, le propriétaire. Parce que le propriétaire, quand il parle, c'est lui qui paye. Fait que quand il parle, à un moment donné, le monde n'a pas le choix de l'écouter, là, parce que ça marchera pas, là. Quel sera le résultat? En mot, l'Impact. Je pense que ça va être très difficile contre Toronto. Tous les matchs qu'ils ont joué cette saison, on sentait vraiment la rivalité entre les deux équipes. Puis Toronto, le problème, c'est au niveau de la profondeur. Oui, Bradley, Altidor et Jovinko sont très solides. Surtout Jovinko là, est vraiment hot. Là. Mais va vraiment falloir rester dans la même stratégie des trois derniers matchs, rester compact défensivement, puis être opportuniste en attaque. Si on garde la même recette, je pense que l'Impact va s'en sortir gagnant, mais ça sera vraiment pas facile. Plus serré que contre New York? Je m'attendais à ce que ce soit plus serré que ça l'a été contre New York. Fait que oui, ça va être encore plus serré. Puis si Bush reste aussi solide qu'il est là présentement, c'est une muraille, là, je veux dire, il va falloir qu'elle traverse. Puis des fois, au soccer, le problème, c'est que le goaler est tellement présent que la muraille, il te reste à peu près un pouce près des poteaux pour viser. Fait qu'il te reste plus grand-chose. Si tu vises pas là, c'est soit à côté ou soit sous Bush. Mais Van Bush, il y a toujours la crampe au cerveau qui fait revenir. Fait qu'il faut faire le doute qui est là. Ah, t'as raison. Jusqu'à maintenant, il a bien fait. Donc, tout le monde est Impact. Donc, go Impact. Puis, donc, ça va célébrer. Je souhaite qu'il y ait 60 000 personnes là-bas. 60 000 personnes au Stade Olympique. Ça va être assez impressionnant. 22 aussi. Novembre. Oui, le 22 novembre. Et le 24 novembre, on va revenir justement sur le match aller. Et si toutefois on est capable d'avoir des gens proches de l'Impact, là, il y a Patrick Turgeon là, au soccer. Là, sûrement Patrick a des contacts. Kevin, tu dois avoir des contacts. Jeff, en tout cas. Ça serait intéressant de voir quelqu'un de près de l'Impact venir avec nous, puis jaser justement, parler de... Bon, okay. Jusqu'où on est rendu avec l'Impact, le résultat, parler du résultat, la suite, et l'an prochain, est-ce que Drogba, bon, il y a beaucoup encore de points d'interrogation au niveau de l'équipe. Avant de terminer le bloc, je veux qu'on effleure un peu la série mondiale entre les Cubs et les Indians. Mais on a eu une très belle saison 2016 au niveau du baseball, puis... Sérieusement, je m'attendais pas à revoir les Cubs revenir dans la série après quand ils perdaient 3-1 contre les Indians. Toute une série. Les lanceurs des Indians dominaient, puis l'attaque des Cubs était vraiment anémique. Puis au final, c'était vraiment un réveil de l'attaque des Cubs qui a vraiment fait la différence. Mais les Indians, on les voyait pas là. Grand monde les voyait là. Puis ils ont la recette qu'ils avaient joué aux Royals de Kansas City les dernières années. D'avoir de la rapidité et trois releveurs numéro un en fin de match. Fait que c'est ce qui a amené les Indians jusque-là. Puis ça a quasiment failli les ramener jusqu'à la série mondiale. Puis je ne serais pas surpris de les revoir l'année prochaine, mais cette année, c'était l'année des Cubs. Les Cubs, l'hiver dernier, avaient fait des grosses splashes en allant chercher Jason Hayward, puis avec les Jake Arrieta, puis John Lester qui est encore là. C'était l'année des Cubs, puis ils ont livré la marchandise jusqu'à la toute fin. Ils n'ont jamais abandonné, même si c'était vraiment après 3-1 dans la série, j'avais vraiment pas grand espoir pour eux. Et il me semble qu'on a senti l'effet des instructeurs. L'an passé, on parlait de Gibbons avec Toronto. Ouais. Il me semble qu'il ne coach pas. C'est soit un circuit, c'est soit un retrait. Mais là, on a vu les deux entraîneurs là, jouer du... Tu sais, quand c'est le temps de jouer le livre... Il jouait. Il faut que tu fasses un amorti. Tu fais un amorti. Vol de but. Je perds. Je reviens 6-6. Je m'en vais gagner en dixième manche. Écoute, on et a toutes eu... les rencontres étaient quand même assez serrées. Puis la dernière, la septième, là, c'était, je pense, 6-1 pour les Cubs après 4-5 manches. Puis ouais. Les Indians sont revenus. On a amené ça jusqu'en prolongation. J'avais un feeling que Chapman était pour se faire frapper. Mais ce qui a fait la différence, c'est que les gars ont été... patient. La pelule, elle s'en vient à 98-102. Prends ton temps, gars. Puis c'est sûr que ces gars-là, ils ont tellement des balles rapides. Les balles rapides à cette vitesse-là sont rarement dans la zone des prises. Haut, coin, droit. Parce qu'ils savent que s'ils mettent ça en plein centre, le gars, il a juste à mettre le bâton devant.
Mais il s'est fait frapper, mais, comme, mais son, ils sont revenus. Comme tu le disais, oui, la rapide s'en est à 102 000 à l'heure, mais t'avais quand même la change-up qui arrivait à 96 des fois. Là. Mais on a hey, vu c'est vite là, pour une change-up. Là. On a vu que dans la série mondiale, les gars avaient pas la même étoffe rendue au match 7. Là, il y a des gars qui ont été surutilisés. Là. T'sais, Andrew Miller, là, du côté de Cleveland, n'était pas touchable depuis le début des séries. Au match 7, il s'est fait frapper. Chapman, la même chose. C'est des gars qui ont été surutilisés. On a vu des partants qui ont lancé avec seulement 2-3 jours de repos. C'était vraiment du bon baseball parce que c'est des choses qu'on voit pas. Puis c'était vraiment, vraiment excitant pour les puis, amateurs. Ce qui était plaisant, c'est que les instructeurs ont réagi tout de suite. Oups, il arrivait une situation, boum, on prend une décision, tu t'en vas, puis on en met un autre. Écoute, une belle série mondiale. J'ai très apprécié là, cette fin de saison-là. Les Jays ont passé proche, ouais. Encore une fois, mais là, je pense que la fenêtre se ferme. Mais moi aussi, au niveau des Cubs, j'ai trouvé que les partisans le méritaient depuis 1908, puis on parle d'un défilé qui a avoisiné les 5 millions environ de téléspectateurs dans les rues. Fait que je pense qu'ils le méritaient, puis comme tu as dit, c'était une très belle série mondiale, puis les Blue Jays, d'après moi, c'est une question de temps, ils vont s'en aller directement là, éventuellement. Ben, moi, je pense que les Jays ont mis leurs œufs dans le même panier. Là, c'était l'année passée, cette année. L'année prochaine, ça va être plus difficile. On va probablement perdre l'incarnation de Batista. Puis, peut-être Batista va revenir, mais. Mais l'incarnation, on dirait que c'est quasiment déjà fait avec les Red Sox. Donc. Ouais, puis c'est que les Jays ont vraiment des joueurs qui étaient sur la fin. Tu sais, Tulowitzki, là, il aurait dû performer plus que ça cette année. Oui. C'était un gars que c'est supposé être ses meilleures années, puis c'est un joueur du MVP caliber. C'est lui qui aurait dû traîner l'équipe, puis toute la saison était comme 6e, 7e frappeur. Tu sais, c'est des joueurs qui ont fait, tu sais, les lanceurs qui auraient dû tout. Il aurait dû avoir un meilleur résultat, puis malheureusement, le résultat n'est pas venu. Mais du côté du Jays. D'accord là l'année prochaine, tu sais, on peut. Mais les Jays, parce que le problème, c'est qu'on a pour avoir l'équipe qu'on a eue l'année passée avec David Price, puis cette année, on a vidé vraiment nos clubs écoles. Ce qui s'en vient là pour les Jays, là, il reste peut-être un an ou deux qu'on va être compétitif, puis après ça va être 5 à 10 ans de misère. Oh. Peut-être si à ce temps-là, les Expos seront revenus à Montréal. On va se diriger du côté de la pause, un 30 secondes de pause. Fait, restez là, bougez pas. Retour. Ben, je m'en vais pas, là. On va avoir un segment actualité. Kevin Arsenault, le nouveau membre de l'entraque sportif. On va lâcher le sport un peu, puis on va parler de l'actualité. Kevin, je l'ai amené ici à l'entraque sportif parce que c'est un gars qui est connecté avec la région de Sorel-Tracy. Il est en amour avec la région de Sorel-Tracy. Donc, et les gens l'aiment comme nous on l'aime. Et en passant, Kevin, j'aimerais saluer ta fille qui t'écoute présentement, sûrement fière de son papa. Merci. Sûrement un gros câlin en arrivant. Donc, au retour, on parle d'actualité de Sorel-Tracy en compagnie de Kevin Arsenault. OK, temps d'arrêt. Promo, promotion. Femme beauté magique. Achetez deux produits pour homme, ref ou faites pas, et obtenez 5$ de rabais. Ton ordinateur est lent, t'es écœuré qui plante, t'as plein de virus, ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. De retour à l'entraque sportif en compagnie de Kevin Arsenault. Kevin, un gars branché à Sorel-Tracy, et tout le monde te connaît. Et là, ils vont te connaître encore plus ce soir, ceux qui ne te connaissaient pas encore.
Alors, merci à nouveau d'être parmi notre équipe. Kevin, dans le volet de l'entraide sportive, tu vas être là pour parler de l'actualité ici à Sorel-Tracy, les environs. Qu'est-ce qui se passe de nouveau à Sorel-Tracy pour justement faire connaître aux gens Sorel-Tracy, ça bouge. Oui, exactement, ça bouge. Puis nous, moi, je travaille au journal La Voix des Deux-Rives depuis maintenant 4 ans. C'est ma passion, je vais être là jusqu'à 65 ans. TC Media, c'est une très bonne compagnie. Mais ceci dit, oui, ça bouge beaucoup. Je vais le montrer aux gens. Parce que les gens, souvent, c'est sûr que quand ils voient sur un fil d'actualité une chose, c'est correct, là. Mais il y en a plus qu'une chose. Puis ça bouge beaucoup à Sorel-Tracy. Puis les gens qui sont en place présentement, ils font beaucoup pour que ça bouge dans l'éventualité, dans les années à venir. Parce que moi, j'ai 2 jeunes enfants, puis je veux que ça bouge. Puis je suis d'accord avec toi. Je pense que nous autres aussi, on veut que ça bouge à Sorel-Tracy. C'est pour vrai qu'on est une ville morte. Les jeunes veulent s'impliquer de plus en plus. Et justement, on pense à nos enfants. On a tous des enfants, à part Kevin. Mais ça s'en vient. Bon, c'est ça que tu t'as dit. Qu'est-ce que t'attends, Kev? Ah, oh, ben, patiente. Pas d'annonce ce soir, non? Non. Donc, on a eu la visite de M. Luc Poirier, homme d'affaires très aguerri, qui est venu nous parler. C'est un sujet que ça fait longtemps que la ville de Sorel-Tracy parle, les gens en parlent. Ça peut être positif, ça peut être vu positivement comme négativement. On a parlé du pont. Il a parlé du pont, oui, de Sorel-Tracy-Berthier, là, une éventualité qui pourrait peut-être se réaliser. Oui, exactement. On parle d'un projet là, d'environ qui a cédé les 360 millions. C'est quand même un très gros projet. Lui, il croit. Beaucoup de monde y croit. Moi, j'y crois. maintenant, il reste à attacher des technicalités. Et puis, devant la Chambre de commerce, là, il y avait, je te dirais, c'était très bien organisé par eux. Il y avait 165 personnes à l'hôtel de la Rive, dans la salle. Puis, ces personnes-là aussi y croient. Puis, c'était très bien fait de la part de Luc comme présentation. Puis, c'était vraiment complet. Puis on en parle d'ailleurs là, dans le journal aussi. Mais je pense que c'est important d'y croire parce que peu importe la façon, faut dynamiser, être capable de rentrer plus de véhicules ici, augmenter la population pour être capable d'y instaurer des industries à un moment donné. Mais petite question que je me pose, Kevin. On a vu les commentaires du maire de la Norêt qui dit qu'on veut pas de pont de l'autre côté. Comment tu vois ça? Ben c'est sûr que lui, le maire de la Norêt, c'est sûr que son moi personnellement, j'avais pas sans faire exprès je savais pas un petit peu ses intentions là, avant cette conférence-là en tant que telle. Je l'ai appris en même temps que tout le monde. Puis il y a aussi l'histoire du traversier aussi, là, tu sais, j'ai des gens aussi que je connais qui travaillent au traversier. Puis le but, c'est de nécessairement peut-être de rediriger ces gens-là vers d'autres emplois si jamais le pont échéant arrive. Mais en même temps, on peut pas satisfaire tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut être vraiment content d'un projet, mais l'idéal là-dedans, c'est que tout le monde soit gagnant, de peu importe la façon que c'est. Mais il reste encore beaucoup de discussions, Kev, je suis d'accord avec toi. Puis ça sera eux qui vont le décider. Mais ce que je te dis, c'est que cet homme-là croit vraiment à la région, Luc. Puis je pense que c'est important qu'il ait soulevé ce point-là, parce que depuis 50 ans, c'est à la table. Comme tu dis, je suis vraiment d'accord avec toi. Je crois que ce serait juste un plus. Puis, outre les commentaires, comme je t'expliquais, du maire de la Norêt, je pense que ça va être un plus des deux côtés de la rive. Là. Tant que nous, les gens de la rive nord, vont vouloir être un accès plus facile à Sorel-Tracy, que nous, on va vouloir aller faire un tour plus souvent du côté de Joliette. Ben exactement. Joliette, puis, la Norêt, juste pour vous donner un exemple, quand le pont tunnel l'année passée il a bloqué, je veux dire, moi, j'avais même pris des photos, ça va rester des photos historiques, là, mais le centre-ville était complètement, là, tu sais, si on veut, là, il était congestionné. Ouais. Et puis, puis les traversiers font de très belles jobs, mais il n'y a pas de trouble là, mais ça, c'est peut-être un aspect sur parmi tant d'autres qui pourraient être réglés. Puis aussi le fait que, comme je t'ai dit, Lux, que ça y a fait, découvrir de la région, ben on va en parler aussi, mais écoute, il va construire 450 unités d'habitation à partir dans quelques temps. Il va construire ses 8 maisons modèles, puis à partir de ce moment-là, à Trécy, près de la rue des Muguets, il va construire ça. Fait que le fait qu'il ait voulu faire le pont, s'embranle, l'étude, tout ça. Puis, en attendant, il va construire 450 unités à Sorel-Tracy d'habitation. C'est parce qu'il aime notre région, puis il croit en notre région. N'eût été que le pont, mettons, il verra jamais le jour. Au moins, il y a quelqu'un qui... Hey, comme tu dis, il croit vraiment à la région. Exact. Puis,
Est-ce que le plan du pont, c'est d'être un pont payant, dans le fond? Oui, c'est un pont en payage. C'est le pont qui était retenu. Puis le pont aussi, c'est un pont qui tu sais, c'est pas un pont qui va se lever, là. C'est un pont, tu sais, comme curvé, là, avec une fixe, exactement, une certaine hauteur pour que les paquebots, justement, puissent passer en dessous. Un peu comme Trois-Rivières, justement, qui permettent aux bateaux de passer. Exactement. Puis c'était intéressant, là, la conférence, il parlait des pieux quasiment jusqu'à 100 mètres dans le sol. Puis, tu sais, c'est, écoute, il est très, très, très bien préparé. Maintenant, il reste des trucs à connecter, c'est comme un puzzle. Dans le fond, maintenant, on a les blocs pour faire le puzzle, on a les casse-têtes, mais là, maintenant, il faut le mettre ensemble, il faut réaliser une image. Mais cette image-là, ça fait 50 ans qu'on la voit, puis je pense que maintenant, on est rendu là. Peu importe la façon, il faut le faire. Puis Luc Poirier, je pense que c'est l'homme que ça nous prenait, parce que, écoute, c'est un homme qui est très à l'écoute, très génial, puis je dis pas ça parce que c'est un ami, mais en même temps, c'est une personne que j'apprécie énormément. Ben, ça prend, c'est sûr que ça prenait ou ça va prendre des gens assez bien nantis, là, au niveau monétaire, là, pour être capable de, quand tu dis, je vais supporter le pont, oui, il va être à payage, les redevances vont être données, bon, Le débat est lancé, le sujet est lancé, il y a quelqu'un qui est prêt à le faire, et c'est tant mieux. Alors, on va voir de quelle façon, du côté de Serre-à-Tracy, du côté de la Norêt, la nouvelle va progresser. On est au premier balbutiement là, du projet. Puis, tu sais, il y avait des affiches. Là, maintenant, oups, il y a quelqu'un qui... Puis l'important, ce que je dois dire, c'est que Jean-Yves Landreville, puis Carl Lemoine, écoute, surtout Jean-Yves, ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Luc, il l'a pas oublié, là. Il l'a instauré dans le projet, puis il a dit, écoute, tout ce que t'as fait, je vais l'amener avec moi dans mon sac à dos. Puis la même affaire avec Carl Lemoine qui a parti la pétition avec lui, tout ça. Fait que je pense, puis il est à l'écoute beaucoup de la population. C'est juste dans les autres instances, là, que maintenant, il faut qu'ils se parlent ensemble, puis qu'ils imbriquent les trucs. Kevin, on va y aller rapidement, le temps file, puis je veux qu'on ait le temps de débattre un peu. On va débattre un peu moins ce soir, c'est la première, c'est normal. On avait hâte de se voir, on avait beaucoup de choses à dire. Et Underbase? Ouais, Underbase, c'est eux, c'est ben, Direction Vert, c'est une association entre les deux, c'est Marie et Femme. Eux, c'est eux autres qui fournissent les équipements pour justement pour les éperviers, les équipements promotionnels. Puis ils fournissent aussi beaucoup de trucs promotionnels à travers la région. Ouais, souvent puis, dans le deck hockey aussi, on voit souvent. Exactement, ils sont très professionnels. Puis sont très professionnels. Puis là maintenant, ils vont avoir c'est nouveau. L'ouverture va se faire ben, non officielle le 17 novembre, mais après ça va être ouvert au public le lendemain, je pense. Mais ça va être au centre-ville, la rue exacte là. Je veux dire, c'est Roy, mais l'adresse exacte là, ça va être 54, exact. Merci, Kev. Comme les gens peuvent le voir. C'est parce que tu vois l'écran. Moi, je ne vois pas. Mais non, c'est ça. Puis c'est des gens très, très corrects. Puis ils ont très de potentiel. Fait que vous irez les visiter. Moi, on va les encourager en grand nombre. J'ai fait affaire avec Amélie pour faire des chandelles de baseball l'été passé. Puis vraiment, excellent service. Merci. Ben, c'est tant mieux. Et tant mieux, tant mieux. C'est quelque chose de nouveau. C'est tant mieux. J'ai pas de mots. Motoneige, c'est parce que le Belvédère, maintenant, Jessica, la propriétaire, c'est-à-dire, maintenant, va devenir, à partir de cette année, en 2017, le relais officiel pour les motoneiges et les VTT. Fait que ça va donner vie à ce magnifique bâtiment-là, qui d'ailleurs a eu 50 000 visiteurs en 6 mois, depuis son ouverture. Je félicite les propriétaires. C'est incroyable. Ils ont passé du temps là. Incroyable. Puis l'hiver, ça va rester en vie. Fait que les gens qui vont aller à motoneige, ou en VTT, matin, midi, soir, 7 jours sur 7, ils vont pouvoir aller manger là. Fait que c'est une très belle place, puis ça donne vie à ce bâtiment-là l'hiver comme l'été. C'est un beau paysage, tu ne te cacheras pas, le temps l'été que l'hiver va être quelque ouais. chose pour le monde qui va être présent. Ah, ça va être, ça va être incroyable, là. Puis les photos, là, parce que moi, je suis un amateur de photos, je pose pas beaucoup de choses sur Facebook, mais je suis un amateur de photos, puis l'été, on a des beaux paysages, mais comme tu as dit, Kev, l'hiver, ça va être impressionnant là, d'apprendre des photos de là. Ouais. Resto, Philippe? Resto chez Philippe à Contrecoeur, exactement. Ça aussi, c'est nouveau. Pourquoi je parle de Contrecoeur? Parce que Contrecoeur est très près de nous, à 15 oui. minutes. Puis c'est mon client aussi. Mais c'est une ville que j'apprécie aussi. Puis Contrecoeur, ça bouge beaucoup aussi. Mais le restaurant chez Philippe a bougé beaucoup en tant que tel. Il y a eu plusieurs noms, le Bailey's, le Pop Saint-Lô, tout ça. Puis maintenant, Rock, le propriétaire qui est là, c'est une personne très bien. Puis il a reparti le restaurant. Anciennement, ça s'appelait Restaurant chez Philippe. Maintenant, ça a repris ce nom-là. Puis depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui... C'est un très bon restaurant italien. Fait que s'il y a des gens qui veulent y aller, vous passez par là, ben, tu sais, allez-y. Parce qu'il y a, oui, il y a Petit Contrecoeur, il y en a d'autres, là. Mais lui, Restaurant chez Philippe, c'est une très belle place. Puis je vous dis, si vous voulez essayer, c'est très, très bien. Puis il y a un très bon service. On parle de resto. Ben, on va faire le lien.
On va parler de vin, un événement qui concerne le vin. Ben oui, exactement, parce que moi, je suis un amateur de vin, ma femme aussi qui est à l'écoute. Puis bon, fait, je joue français, c'est Jeff aussi. Ouais, pas mal tout le monde, pas mal tout le monde est amateur de vin, puis ça devait arriver qu'il y ait quelqu'un qui décide d'organiser ça, Laurent Cournoyer avec la Chambre de commerce, et il y a d'autres partenaires, je les nommerai pas tous, mais ils font un salon des vins le 24 novembre à l'Hôtel de la Rive. Moi, je vais assister à ça avec mon ami Bétanel, ma femme, tout ça. Fait que il y a des, tu sais, sans nécessairement les plugger, il y a une possibilité. Il reste encore quelques billets à 75$. Ça, c'est avec les dégustations de quelques 200 produits locaux comme chez Lifou. C'est vraiment bien fait. Puis aussi beaucoup de vins à déguster. Puis ça, c'est 75$. Mais il y a aussi pour tout le monde, dans le fond, il y a des billets à 20$. Fait que tu sais, je pense que c'est abordable pour tout le monde. Puis c'est une belle opportunité de sortie. Puis c'est à l'Auberge de la Rive, c'est le 24 novembre. Fait que s'il y a des gens qui veulent s'informer, ben ils ont une page attitrée à eux. Puis c'est une très belle événement. À Sorel encore une fois, parce que écoutez, pour que ça s'est dynamisé, ça prend beaucoup d'événements. Puis là, ça n'est un. Puis je suis content. Et tant mieux. Kevin, 30 secondes. Oui. On termine avec les vétérans. Vous avez souligné les vétérans au hockey. Et on va terminer avec le match des éperviers demain au Colisée. Exactement, parce que le monde le savent. Écoute, j'ai ma famille, j'ai le journal, mais j'ai aussi les éperviers dans mon cœur. Ça fait 16 ans, mais les boys, c'est comme tous mes frères. Puis vendredi, demain, justement, on rencontre le 3L, qui sont avant-dernier au classement, mais qu'ils ont gagné quand même la coupe l'année passée. Fait qu'ils ont des choses à rattraper, si on veut. Fait que ça va être une très grosse game intensive. Puis la dernière game, justement, on avait les vétérans. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient, hey, comment vous avez fait pour avoir les vétérans, tout ça. Ben, le grand-père Christian Deschênes, c'en est un vétéran que je respecte beaucoup. Puis lui était capable de parler à d'autres. Puis tu sais, ça a fait une belle ligne. Puis il y a aussi René Sheridan, là, que lui s'occupe beaucoup de ça. Puis je pense qu'il faut se souvenir de cette date-là, parce qu'il y en a qui ont combattu pour nous. Puis le 11 novembre, c'est une très grosse date. Puis je pense qu'il faut se souvenir de ça. Puis on l'a commémoré avec les éperviers. Puis c'est une très bonne tribune. Puis je voulais remercier Christian Deschênes, mon frère. Félicitations. Félicitations. Puis c'est un geste qu'on doit poser, ça, c'est sûr et certain. Et c'est demain, le 11 novembre. Portez-vous cliquot. Chapeau aux éperviers, chapeau à toute l'organisation là, qui a pu organiser cette belle soirée pour nos vétérans. Mais si on ne fera pas de pause, parce que si on fait une pause, on n'aura pas de débat. Donc, on va sauter directement au débat. Tant entendu, là, ça va être le temps. Là, tantôt, de l'autre côté, là, c'était à couteau tiré. Là, c'est le temps. On va partir avec quoi? On va partir avec du hockey, Plécanette et des harnais. Quelqu'un qui a amené ça comme sujet de débat, et je pense que c'est Kevin. Vas-y, Kevin, lance les hostilités, les gants de boxe sont Je suis pas d'accord. On en parlait un petit peu tantôt. La question que je me posais, c'est est-ce que ces deux joueurs vont finir la saison à Montréal? Ben, je pense que oui. Peut-être qu'il en reste plus pour longtemps. Ce que je trouve plate dans le cas de Desharnais, c'est que c'est un Québécois. Il reste à Québec. C'est un très bon joueur de hockey. Il a tout le temps été à la guerre pour tout le monde. Plekanec aussi, mais en même temps, c'est vrai que Plekanec il a subi un certain ralentissement. Pis on entend moins parler, mais ça me ferait vraiment de la peine de Desharnais. Ben, moi, je serais pas surpris qu'un des deux quitte, mais en même temps, je m'attends à une bonne saison du Canadien. Donc, généralement, t'es pas vendeur quand tu connais une bonne saison, mais dans le cas d'un gars comme Desharnais, je serais pas surpris non plus de le voir quitter pour une question monétaire, une question d'aller chercher peut-être un joueur top 6 en remplacement de, parce qu'on va se le dire, Plekanec et Desharnais, c'est plus des joueurs top 6. Plekanec, là, non, ça doit c'est pas pour le salaire, là. C'est sûr qu'au salaire qu'il y a. C'est plus un joueur top 6. Mais ça n'était pas un. Ça n'était pas un il y a 5 ans. Ce gars-là était même pas capable de faire produire Alex Kovalev. Fait que pourquoi il serait capable de faire produire Radulov? Quand tu fais entre 50 et 65 points, tu peux être considéré comme un joueur top 6. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est plus rendu là. Donc, ce que je viens apporter, qui est la transaction. Une transaction impliquant Desharnais et Plekanec est de plus en plus vivable. Ouais, mais plus probable pour Plekanec va rester à Montréal. Mais qui va vouloir de Plekanec présentement à son salaire avec une autre saison à son contrat? Je crois que présentement l'équipe qui en aurait le plus besoin pourrait aider le Canadien, ce serait les Canucks de Vancouver. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aller chercher un défenseur comme Alex Edler. Je serais très, très, très surpris qu'une équipe comme les Canucks, qui se dirige plus vers une reconstruction, s'intéresse à un joueur comme Plekanec. Mais je pense pas que c'est... On parle de joueur en tant que tel. Plekanec peut-être
intéressant pour une équipe, mettons, dans une course aux séries qui cherche un bon joueur pour jouer en défense, en désavantage numérique. Le problème, c'est que si le Canadien connaît une bonne saison, donc c'est le genre de joueur que tu recherches en temps normal. Donc, il ne sera pas échangé. Parle plus de dernier, question de salaire. Un 3,5, si je ne me trompe pas, sur la masse salariale, ça peut se passer assez facilement. C'est sa dernière année de contrat. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait facilement quitter et dans une transaction qui pourrait amener un plus gros joueur avec un plus gros salaire. Question vraiment d'aider Marc Bergevin à faire une transaction pour un joueur offensif, probablement un centre, parce qu'il manque vraiment un centre à Montréal. En même temps, moi, de Stincy, par la force des choses, je suis porté à... Je travaille un petit peu les soirs avec mes frères. Je suis plus porté à écouter la radio en travaillant. Puis honnêtement, le nom de Plekanec, je l'entends pas souvent dans la radio, tu sais. Je veux dire, je l'entends, mais on dirait qu'il est peut-être un petit peu moins productif qui était par les autres années, mais je me trompe peut-être, mais Dernay, il est quand même encore productif aussi, là. Il a tout le temps été pas mal, je te dirais, égal, tu sais. Je veux dire, il a tout le temps été à la guerre pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'un des, mais la question que je voulais amener, c'est sûr qu'un des deux va devoir quitter. Canadien a présentement 1,567. Je vais t'en donner un autre. Oui. Maturity. C'est sûr que cette saison. Je pense que ça t'aide sur le bio. Ça t'aide sur le bio cette saison. Plus Paturity. Moi, je pense que Paturity. Ben, je pense. A plus de chances de quitter. Pas sur le bio à 11 victoires, une défaite, puis une. Mais pourquoi on amène un Shea Weber qui est plus leader que Paturity dans cette chambre-là? Ouais, mais en même temps, je pense que Paturity. Leader, t'en as jamais dit. Non, je pense que Paturity, quand même, il le sait, puis je pense qu'il va le garder parce que ce serait déjà fait qu'il aurait le sait probablement. Puis moi, je pense que Paturity, non, il produit peut-être pas comme il devrait produire, mais je pense que c'est une question d'adaptation aussi parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, puis lui, en étant capitaine dans la chambre, faut tout qu'il assimile ces changements-là, selon moi. Il va falloir qu'il en donne plus que ça. Okay. Ouais, il est capitaine. Son intensité n'est pas là. Est-ce que l'avenue de Shea Weber a fait que Max Paturity s'est dit, oups, ben, c'est sûr, finalement, c'est une mon crainte. Leadership, puis il manque de leadership. Ben, il était capitaine là-bas. Torella a eu raison de donner une bonne. Ben, le vrai capitaine du Canadien, tant qu'à moi, c'est Carey Price. Exactement. Oui. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. D'accord. Fait qu'on change de capitaine, on va nommer Carey Price. On peut plus faire ça. on peut pas faire ça. Donc, Paturity, on fait quoi avec? Ben, on le garde. On va-tu le garder ou vous pensez que moi, je dis qu'il y a savoir qui gagne. Moi, je pense qu'on le garde pour y parler. Moi, je me dis que tout dépend de l'offre que tu reçois pour ce joueur-là. C'est sûr. Tu peux pas te permettre de pas écouter. Ben, ça dépend toujours de la situation. Si le Canadien continue à jouer comme il joue là, Paturity dérange pas personne. Si tu peux avoir un Matt Duchesne dans une transaction qui impliquerait Max Paturity, go. C'est sûr, ça serait si on se rend loin, ça va bien. Bon, ça arrivera pas. C'est rare qu'on voit deux équipes qui s'échangent un joueur. Ben, l'année passée, on a eu un exemple parfait, là. On a eu Jones qui s'est ramassé, dans le fond, avec Columbus. Pour Johansson, c'est sûr que là on parle d'un attaquant contre un défenseur, mais ça arrive à l'occasion que. Ouais, mais les deux équipes Subban pas dans une et Weber. Série. Mais moi je pense que je l'appuie, c'est Jeff, hein, c'est ouais. Ça. Moi je l'appuie dans ce qu'il dit parce que c'est comme un petit peu un jeu de cartes que des fois que tu gardes à l'arrière de toi. Tu sais, une carte à tout si on veut. Puis pour l'instant il dérange pas, mais sauf que oui ça peut être un atout pour une éventuelle transaction majeure parce qu'on parle de Paturity, c'est quand même le capitaine est accepté de pas mal tous à ce qu'on sache. Mais je pense qu'on le garde, mais on y parle. T'sais, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui peut y parler, là, puis dit produit. Puis si tu produis pas, ben là, tu subiras les conséquences. T'sais. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui a parlé. Parce que là, s'il dérange justement... pas, là, mais j'en ai, quand on va en avoir besoin dans une course aux séries ou dans les séries, on va dire encore, ouais, wow, là, Paturity est correct, il dérange pas. Oui, tu parles de course aux séries, mais plus que son jeu diminue, plus que sa valeur diminue aussi. Également. Là, sa valeur est haute, là, présentement, mettons. Donc, un séjour dans les estrades serait bienvenu pour Max Paturity? Non, je pense pour moi. Non. Pourquoi? Mais, un gars comme... On parle d'échanger Max Paturity, sauf que, dans un sens, le Canadien manque de joueurs top 6. Échanger un joueur top 6 pour aller chercheur un autre top 6, comme on disait, tout dépendamment qui s'amène. C'est sûr, sauf qu'il en manque un pareil. Si tu échanges Paturity contre Duchesne, l'exemple donné en l'air, mais ça reste qu'il va manquer un top 6 pareil. Si ça même continue avec à bien aller, tu touches à rien.
Mais si à un moment donné ça se met à dégringoler, probablement que la charity va être un est-ce des qu'on premiers peut prévenir à les à coûts partir. Avant que ça, justement, que ça dégringole. Parce ça que dégringolera même... pas. Non, mais c'est parce qu'en même temps, tu peux, en faisant ça, t'as une chance sur deux de te tromper. C'est 50-50. T'as une chance sur deux de te tromper parce que si tu fais le move, puis tu t'es trompé, ben là, il est trop tard, tu peux pas le ramener. Tu sais, en bon, théorie. C'est un peu je comme avec Souban. Ouais, exactement. Mais là, dans ce cas-là, selon moi, ça a été gagnant, selon moi. Mais pas charité. Jusqu'à maintenant. Mais Paturity, si tu l'échanges, je pense que tu as 50% de chances de réussir et tu as 50% exactement. De chances d'échec. Mais rendu, comme il dit Jeff, rendu là, je pense pas qu'on devrait prendre ce risque-là, non. Honnêtement. Non. Faire être plus sûr que ça de l'échanger. Je m'attends beaucoup plus à ce que Michel Therrien continue de jongler avec ses trios durant une bonne partie de la saison. Je serais pas surpris qu'on reste comme ça, le statu quo jusqu'au fight. Puis, je serais pas surpris non plus qu'on se rende jusqu'à la date limite des transactions. Puis, okay, je te relance la question. Les Capitals vont pas bien présentement. On t'appelle, on t'offre. Je mettrai pas Ovechkin parce que c'est au c'est poussé là. Nicklas Backstrom pour un Paturity, tu fais quoi? Ça arrivera pas. Mais si ça arrive là, Kev, tu y penses. Si ça arrive, tu y penses. C'est sûr, tu y penses, c'est analyse. Mais tu fais pas ça cinq coups de tête là. Bon, moi y aller. Exactement. Tu sais, tu fais pas ça cinq coups de tête. Mais ça arrivera pas. Une équipe comme Washington, oubliez ça là. Même s'ils connaîtraient une séquence de 5 défaites de suite, ils changeront pas un Backstrom. Ils vont penser non-stop à la Coupe Stanley tant aussi longtemps qu'Ovechkin va être là. Non, mais il y a gagné. Ouais, c'est ça. Il y a une équipe qui gagne par année. Oui, mais ils il y a 30 pas. Équipes, donc ils vont pas au bout. Ouais, mais. Mais là, ça mérite un silence. Là. C'est non, comme non, mais on voit des fois. Ovechkin va essayer année après année. Je veux dire. Il ouais, il va. Non, c'est sûr que lui, il va toujours être là. Il y a des très très grands joueurs qui ont jamais gagné. Non, effectivement, effectivement. Puis, mais sauf que ça, c'est une question. C'est un des concours de circonstances. Exactement. Tu sais, mais. Je m'attends pas à voir le Washington être vendeur, mais pas du tout. Je m'attends pas mais non. C'est pas vraiment une vente. C'est tout le monde dit. C'est... Quand t'échanges un. Là, tu rêves, c'est ça. Mais là, ça, j'ai de la misère à suivre. Ben, on parlait de Plekanec puis d'Hermès, on est rendu à Paturity. C'est réglé. Les autres, ils vont rester. Les autres, ils vont rester. Parlant d'échange, toi, je voulais en souligner tantôt. Il reste une minute. Ligue nord-américaine, on a vu François Fortier qui quitte Jonquière pour Trois-Rivières hier soir. Donc. Belle transaction, Fortier qui était pas qui jouait ses matchs cette saison jusqu'à présent. Et là, on va voir un petit coup de main au Blizzard, je pense qu'il peut être très utile. Pour c'est du coq à l'ombre. <Ouais, rire> <c'est... rire> on vient de perdre toutes les auditeurs. Ben, messieurs, c'est maintenant, c'est terminé. Terminé, ça c'est très bien été. Vous étiez anxieux au début. Ça a très bien été. Vous êtes des professionnels. Félicitations. Ben, on se reprend la semaine prochaine. On peut-tu donner une main d'applaudissement? Ouais, je pense que ça va être bien. Oui. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Bien sûr. Ça va être une belle saison. On va avoir bien du plaisir. Et la portion débat, je vous dis, c'est sûr que là... Ça va être plus longue, là, le prochain. Oui, mais écoute, on avait tellement de sujets, ouais. C'est Kev qui a trop parlé. Les Kevin, ils parlent tout. Kev a commencé ça tout à l'heure. Là, puis, c'est ça. C'est les deux Kevin, il faudrait les séparer là, pour qu'ils réduisent le temps de parole. Kevin Assado, merci beaucoup. Kevin Usignan, Raymond, Francis Marquette, Jeff Rivard, merci beaucoup, messieurs. Bien, nous, on se donne un prochain rendez-vous jeudi prochain dès 18h30. Restez des nôtres, Octane 360N, en compagnie de M. Steve Bertium. Suis à l'instant. Bye bye.